Sèche-feu Safin se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review aujourd'hui du set 71404, la chaussure Goomba. Avant de commencer, je tiens à dire que Lego c'est sympa, hein. C'est sympa de vouloir être écologique et tout. Mais à force de mettre ces propagandes là, ce genre de propagande là pour les sachets en papier là, qu'on voit pas depuis 2 ans. Je pense que vous perdez plus en écologie qu'autre chose. Hein. Je veux pas dire, mais... plus vous le faites en 8 000 langues. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous abandonnons progressivement les emballages en plastique au profit d'emballages à base de papier. Il est donc possible que vous trouviez à la fois du papier et du plastique dans vos boîtes. Ça fait 2 ans qu'on nous dit ça. Mais bon. Ce qui paraît, ça commence à arriver. Ça fait 10 ans, ça fait 12 ans. Ça fait 2 ans qu'on dit ça aussi. Hein. Mais bon, bref. On va commencer par le set. Le Goomba. Donc le Goomba, du coup, nouvelle impression. Pour le visage, juste là. Hein, par contre, le sticker, ça change pas. Sur un bloc de briques, un petit rocher. Sur la plateforme, en sable. Ok, assez simple au final. Pour ce set qui est valorisé à 9,90€ sur le Shopify. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est la chaussure. Et je pensais pas, en fait, qu'ils utiliseraient ça. Mais en fait, ça, c'est une seule pièce. Et c'est le tuyau. C'est les pièces de tuyau, en fait, qu'ils ont utilisé pour faire la chaussure. J'aurais pas pensé que ce serait une pièce de tuyau, en fait. Mais pourquoi pas, après tout. Ça peut être sympa. Voilà. Là, on a l'espèce de petite... les petits rouages à faire fonctionner. Là, on a l'avant de la chaussure. Et ça, par contre, j'ai pas compris la fonctionnalité. Je crois que dans le jeu, elle permet de sauter, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est pour la mettre comme ça, en fait. Bon, je n'ai pas tout compris sur ce set, je dois avouer. Mais sinon, c'est pas mal. Là, on a une pièce aussi avec un sticker qu'on peut scanner avec Lego Mario. Bon, je ne l'ai pas sous la main là tout de suite. Mais pire, croyez-moi sur parole. Et comme on nous le montre, oui, c'est ça, nous le montre dans le set... Là, on peut justement prendre le Goomba, le mettre ici. Ou ouais, enfin, je sais pas, moi j'aurais plus peut-être mis la plateforme quand même. Ouais, ouais, c'est peut-être déjà un petit peu mieux quand même. Hop là, voilà, du coup on a le Goomba qui est dedans. Et ça fait le taf au final. Surtout que normalement, je crois qu'on peut aller dedans, mais c'est surtout les Goombas qui vont dedans. Donc voilà, c'est assez logique au final. Voilà, c'est un petit set sympa qui s'inscrit dans la même collection que le vaisseau de Bowser Jr. que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Donc voilà, c'est dans la même collection, c'est pour ça que je l'ai pris. Et voilà. Bah du coup, ouais, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo Lego Review. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et voilà, bah du coup, c'était MC, la chaîne vous aura plu, qui vous dit bye!